maison de repos. Comment va notre nouvelle malade? J'allais justement aller la voir. Dépêchons-nous, il faut faire vite. Dépêchons-nous. Comme ça. Je l'emmène loin de cet hôpital. Ça, c'est ce que vous croyez. Où sont-elles? Elle l'a fait sortir d'ici. Elles doivent être dans l'escalier. Allez, descendez. C'est ça. Tout droit maintenant. Courage, Lynn. Vous y arriverez. Mais si on y est presque. Ça y est. Encore un effort. Dépêchez-vous, Lille, sinon ils vont nous rattraper. Les voilà. Il faut tenir jusqu'à la voiture. Elle est là. Elle est morte. Où va-t-on? Je suis là, Liliane. C'est fini. Je ne me souviens plus de rien. Ramène-moi à la maison. Si tu es malade, tu le sais, ma chérie. Tu vois bien. Mais bientôt, ça va s'arranger. Fais-moi confiance. Allez, viens. C'était juste assez de temps pour vous inscrire à l'America Cup. Oh, avec vos cours, on sent pousser des voiles, Matt. Hein? Excusez-moi. Je cherche quelqu'un qui habite dans le coin. Matt Houston. Vous lui ressemblez. Mais qui vous a dit où me trouver? Je travaille pour la marine et ils m'ont fourni votre adresse en pensant que vous pourriez peut-être m'aider si j'avais besoin d'un bon détective. C'est-à-dire qu'en ce moment, je suis en vacances? Je me suis renseigné. Vous êtes le meilleur. Oui, vous êtes bien le meilleur. Monsieur Houston, je ne sais pas si ma fille est vivante. La police refuse de m'aider. Et sans Stella, je n'ai plus de raison de vivre. Stella, ma petite fille. Et vous êtes sans nouvelles d'elle depuis combien de temps? Ça fait presque 4 jours qu'elle est partie. Elle est partie de chez nous vers 3h30, comme elle faisait tous les jours. Le soir, elle faisait équipe de 4h à minuit. Est-ce que quelqu'un l'a vue aller au travail ce soir-là? Eh bien, elle travaillait pour un hôpital privé de Culver City. Ils disent que Stella leur volait de la drogue. Et à votre avis, les gens de l'hôpital inventent tout ça? Stella croit que les docteurs là-bas font un trafic de médicaments. Il y a par exemple le cas d'une malade à qui on ordonnait le plus mauvais truc possible, alors qu'elle n'aurait pas dû avaler quoi que ce soit. Elle a voulu croire qu'on avait commis une erreur. Mais non, ça n'avait rien d'une erreur. Et à votre avis, vous croyez que Stella aurait pu se droguer? Quoi? Et vous m'avez dit tout à l'heure que la police refusait de bouger. Il doit bien y avoir une raison pour ça. Stella voulait... Elle voulait devenir docteur. Et combien de fois a-t-elle été arrêtée? Seulement 2. Mais Stella a cessé de se droguer. Elle me l'a promis. Monsieur Houston, s'il vous plaît,
J'ai besoin de votre aide. Je croyais que rien ne devait faire échouer nos vacances. On verra demain parce que pour l'instant j'ai mieux à te proposer. Nous allons devoir laisser tomber tout ça. Tu vas donner à Bébé ses renseignements sur notre nouveau client et sa fille Stella qui a disparu. Est-ce que je peux savoir où tu vas? Je vais aller jeter un coup d'œil là où elle travaillait. C'est une clinique privée à Culver City. Le nom c'est Meadowhawks. Vois avec Bébé si tu peux en tirer quelque chose. Oui, je vois. Bonjour les ennuis et adieu les vacances. Écoute, les vacances sont peut-être repoussées, mais demain nous pourrons faire le point et savoir si cette affaire vaut le coup ou non. Qu'est-ce qui se passe après? Je passerai chercher mon courrier. Salut. Bonjour, Meg, ça va? Oh, bonjour, docteur. Voilà bien une semaine que vous êtes là. Est-ce que tout va comme vous le voulez? Oh, tout à fait. Votre femme est merveilleuse. Est-ce qu'elle va reprendre conscience? Elle ne lui est plus arrivée depuis au moins, au moins 3 ans. Vous avez déjà entendu parler des malades qui sont plongés dans le coma et qui s'en tirent pour mener une vie tout à fait normale. Liliane s'en sortira aussi. Je le sais. Bonjour, je suis Monsieur Rutledge, le directeur de Meadowhawks. Je crois que vous vouliez me voir, monsieur... Doyle. Je m'appelle Darin Doyle. Voilà, vous pourrez peut-être venir à mon aide. Mon problème est d'arriver à retrouver une certaine Stella Chisholm. Oh, mademoiselle Chisholm ne travaille plus chez nous. Ah, je sais, monsieur Rutledge, j'ai eu la nouvelle par son père. Mais il faut remonter plus loin pour expliquer cette intrusion. En fait, Stella et moi, pour tout vous dire, nous avons fait les mêmes études. Oh, je vois, oui, vous êtes médecin. Non, j'ai préféré être écrivain, je ne porte pas très bien la blouse blanche. Vous vouliez donc me dire que... Oui, comme nous le disions, j'ai préféré être écrivain plutôt que médecin. Et je pars souvent à la campagne. Alors, en revenant chez moi aujourd'hui, j'ai trouvé 4 messages sur mon répondeur qui émanaient de la pauvre Stella. Il s'agissait d'une histoire de médicaments dont on aurait bien voulu l'accuser. Enfin, à vrai dire, moi, je n'ai pas saisi grand-chose à tout ça. Mais il faut dire aussi que 20 secondes avant le bip, c'est souvent juste pour parler. Il y aurait fallu sûrement plus de temps pour expliquer pourquoi on a trouvé dans ses poches des narcotiques du stock de la clinique, monsieur Doyle. Ah, oui. Je crois que... Je ne vois rien à ajouter à cela. Ah ben, à mon avis, il y a autre chose. Dans son message, j'ai cru comprendre que la pauvre Stella était très effrayée. Elle disait d'ailleurs qu'elle allait m'envoyer toutes les informations nécessaires par écrit. Je vois. Vous les avez eues? Eh ben non, j'ai rien vu passer. J'ai vu son père, j'ai discuté avec lui de tout ça. Le facteur fait son boulot correctement, mais le père n'a rien vu arriver. Alors je me suis dit que je pourrais peut-être passer voir si vous n'aviez rien pour moi. Mais tous ces objets et faits personnels ont été renvoyés sans délai chez son père. Vous en êtes sûr? Je vous le jure, j'ai supervisé l'opération personnellement. On demande le Dr. Smith dans son bureau. Est-ce qu'il vous serait éventuellement possible, si du courrier arrivait, de me le faire suivre? Ce serait vraiment très gentil. Je garde en ce moment la maison d'une amie qui loge sur la marina. Tenez, voici son adresse et son téléphone. Rien de plus naturel, monsieur Doyle. Eh bien, je vous en remercie. On ne sait jamais, le facteur passera peut-être demain. Ce serait amusant qu'il dépose une lettre pour moi, non? Allez, au revoir et encore merci. Appelez le docteur Barnwell. Je dois lui parler immédiatement. Tout de suite. Ça pourrait devenir dangereux. Je sais ce que je fais. Vous pourriez au moins me soutenir moralement. Et qu'est-ce que vous avez appris d'utile encore sur cet écrivain? Je vous ai déjà dit tout ce que je savais. Dorin Doyle garde la maison de quelqu'un d'autre sur la marina. Et d'après ce qu'il dit, il pourrait recevoir des informations de la fille. Il faudra voir ça de plus près, Daniel. Nous allons faire en sorte que M. Doyle n'ait pas de lettre. Je vous en prie, ne vous faites pas de soucis. Je crois avoir fait tout ce qu'il fallait à propos de ce Doyle. Thank you.
situation importante, manque de justesse, et toi, tu n'as pas une idée de qui ça peut être. Oh, personnellement, je pourrais citer sans effort au moins une douzaine de voyous prêts à me descendre gratuitement. Et je sais que de ton côté, tu pourrais en ajouter au moins deux fois autant, si tu le voulais. Pour une fois, tu as peut-être raison, Matt. Stella Chisholm. Elle n'a rien d'une fille à problème. Élevée par son père, très brillante. Elle entre en fac à 16 ans et puis à 23, elle fait sa médecine. Et là commencent les premiers embêtements. Elle a affaire deux fois à la police pour des histoires de drogue, comme son père nous l'avait dit. Je comprends vraiment pas ce que les jeunes peuvent trouver dans la drogue. Et puis je voudrais bien qu'on m'explique pourquoi un hôpital se mêlerait d'engager comme infirmière une fille fichée pour trafic de drogue. Ils ne doivent pas être au courant. Ces deux dernières années, son père a consacré toutes ses économies à payer des avocats qui ont fait transformer les chefs d'accusation en simples délits. Même avec une condamnation légère, j'aimerais savoir qui voudrait d'elle dans un hôpital honnête. Bon, laissons tomber ça. On va plutôt s'occuper de tous les trucs bizarres qui pourraient se passer dans cet hôpital. Oui, c'est le haut de gamme. Une clinique de repos pour les grandes fortunes et gouvernée par ce monsieur. Ah oui, je crois que j'ai vu sa photo dans le carnet mondain. Oui, le docteur Otis Barnwell. Il s'occupe de beaucoup d'organismes charitables, sans compter qu'il est passé trois fois devant le maire. Ce cher docteur est devenu le quatrième époux de... Lillian Honeycutt. Eh oui, l'héritière richissime des magasins Honeycutt. Ah oui, ils se sont mariés en fanfare il y a 4 ou 5 ans et il ne manquait personne à leurs noces. Mais elle a eu un accident, si je me souviens bien, non? Ou quelque chose dans ce genre-là, oui. Il paraît que Lillian taquinait la bouteille et il y a 3 ans, après une nuit mouvementée où elle avait un peu forcé sur les mélanges, Madame Lillian Barnwell est tombée dans le coma. Son mari la soigne personnellement à Meadowhawks. C'est assez pratique, non? Et si nous parlions un peu de ce monsieur qui m'a accueilli à l'hôpital? Ah! Andrew Routledge, il est très intéressant. Il a débuté comme administrateur de l'hôpital il y a environ 6 ans, à sa sortie de l'université. Depuis, il fait son chemin tranquillement. Il est devenu directeur d'un grand centre médical connu à Saint-Louis. Et qu'est-ce qu'il a amené là? Le scandale. C'est parti d'une affaire d'ordonnance falsifiée par une demi-douzaine de médecins de l'hôpital, condamnés ensuite. Il est devenu témoin à charge du gouvernement pour s'en sortir. Je trouve tout ça assez curieux, CJ. C'est quand même pas souvent qu'on voit un hôpital prêt à engager... un administrateur compromis dans un trafic et une infirmière avec un casier judiciaire. Ils veulent peut-être donner une seconde chance aux délinquants. Oui, ou peut-être ils préfèrent engager des gens qui ne peuvent pas dire non si on leur demande quoi que ce soit et qu'on peut faire disparaître sans problème s'ils se rebiffent. Avec de la chance, on devrait arriver à le savoir. Il semble que l'appât est assez voyant, il suffit de ferrer notre poisson. Bien joué. Je crois bien que nous tenons enfin notre affaire. Au travail, c'est Jim. Il s'appelle Charles, c'est un garçon de salle qui travaille à Meadowhawks. Vous dites que ma petite Stella n'aurait pas volé de drogue? J'en suis pas vraiment sûr, mais j'ai l'impression d'avoir donné un coup de pied dans la fourmilière. Monsieur Houston, vous savez où est Stella? Non, je n'en sais rien. Mais je crois que ses affaires personnelles pourraient nous aider. Peut-être qu'elle a pu y cacher un mot ou un indice. Vous pensez qu'elle est morte? Vous savez qu'on est obligé d'y penser. Écoutez, vous dites qu'elle soupçonnait un trafic de drogue et qu'elle parlait même d'une malade gavée malgré elle de médicaments. Oui, ce n'est pas par hasard. Stella a cru d'abord à une erreur, mais elle a vite compris que ce n'en était pas une. Pour être prise ainsi de panique, elle a dû tomber sur quelque chose de plus important que prévu. J'ai bien peur qu'elle ne se soit mise dans un sacré pétrin.
prends ma serviette. Et ensuite, je vous emmène voir notre palais. Ne perdons pas de temps. Vous voulez être sûr d'en être débarrassé? Je fais ce qu'il faut pour en être sûr. Vous avez déjà mis deux autres charges, non? Au Vietnam, on m'a appris à être consciencieux. J'ai fait exploser un bâtiment avec 220 personnes dedans. Et je parie que vous preniez votre pied avec des trucs comme ça. Assez, je dois dire. C'est vrai, monsieur Rutledge. On m'appelait docteur cadavre. Lumière. Bon, je vais aller m'occuper des plombs. Attendez-moi là. Surtout ne bougez pas. Toi non plus, mon joli. Ah, c'est très intéressant. En pleine forme. Et parfait, alors on y va. Allez, suivez-moi. Ah non. Vite, sortons d'ici. Il y a des enfants qui voudraient des sapins de Noël à Pâques. Moi, je préfère les pétards du 14 juillet. Monsieur. Il vaut mieux s'en aller. Est-ce que ça va? Oui. Venez par là. Allez. Allez, venez. Centrale à toutes les patrouilles, centrale à toutes les patrouilles. Explosion sur la plage, sous contrôle. Pas de victime, patrouille, ambulance sur place. Je répète, tout va bien à vous. Je vais me débrouiller. Je vais bien. Il refuse d'aller à l'hôpital, Matt. Les médecins disent qu'il est juste sous le choc et qu'un peu de repos suffira pour le remettre sur pied. Tant mieux. Tu voudrais pas l'emmener dormir chez moi? Après, tu pourrais aller au bureau. Tu comptes m'y rejoindre? Non, je vais probablement me balader seul de mon côté. Et je suppose que tu n'envisages pas de me dire où tu comptes aller. Non, parce que t'as une tension beaucoup trop élevée. Ne fais pas de malin. Grâce à toi, j'ai une infirmière soupçonnée d'avoir volé des drogues et dont tu me jures qu'elle a disparu. Et j'ai aussi un type sorti du même hôpital que tu accuses d'avoir manigancé le vol de ta putain de boîte aux lettres. Et voilà le bouquet. Je veux savoir ce que tu trafiques, tout de suite. Disons qu'il nous manque encore des preuves pour les accuser, mais c'est le moment ou jamais de mettre le nez dans tout ce qui se passe à Meadowhawks et comprendre ce qui arrive là-bas aux malades. Tu as raison. Je veux rien savoir du tout.
Houston? Oui, c'est moi, c'est Jim. Je suis prêt. Comment ça va, toi? Prêt à fonctionner, Matt. Très bien, on y va. Voici le code d'entrée. Tiens-toi bien, c'est Liliane. Code d'accès, Liliane. Bon, combien de temps il va me falloir pour faire avaler ça à bébé? 5 minutes, pas plus. Parfait, au travail. Modification de budget, dossier des malades, personnel, sécurité, prescription aux malades. Monsieur Rutledge? Qui est à l'appareil? Transférer tout le dossier. Transfert en cours. Qu'est-ce que vous attendez? Aucun problème. Je sais ce qu'il me reste à faire. Transfert terminé, bonne journée. Houston? CG, j'ai terminé, je vais rentrer tout de suite. Je pense en avoir pour 30 minutes environ. Parfait. Les petits. Je vais avoir sa tension tout de suite. Donnez-moi son rythme cardiaque. Et plus vite. Oui, voilà. Attention. Allez, vite, vite, vite. Épinéphrine, une dose. Atropine. Et vous? Faites-le sortir d'ici. Enfin, où est-ce que tu étais, Matt? Je m'inquiétais. CG, ce n'est pas Houston, c'est Reid. On lui a tiré dessus. À bout portant. 2 balles. Oh, mon Dieu. Allons, Matt. Fais pas l'imbécile. Bonsoir. Est-ce que vous pourriez me passer un numéro à Houston? Allô? Bill, c'est CG. Votre fils, il a été blessé. Est-ce que c'est grave? Je prends le premier vol. Houston est mort. Oh mon Dieu. C'était votre ami, n'est-ce pas, docteur? Je voyais Matt comme quelqu'un d'indestructible.
revient à la vie. Venez vite, tous. Tout le monde au travail, vite. C'est le type sur qui Charles a tiré cette nuit. C'est le même qui est venu raconter qu'il était écrivain. Darren Doyle. Et ce qui veut dire que tout ce bruit autour de la lettre de Stella Chisholm, c'était juste un truc pour voir si on allait bouger ou pas. Et va savoir ce qu'il a pu récolter grâce à ça. Pas, Otis. Je t'ai dit qu'on a fouillé le corps après et qu'on n'a rien trouvé sur lui qui puisse servir contre nous. Si Houston avait eu vraiment de bonnes raisons de venir, il serait arrivé avec la police. Heureusement, on a pris nos précautions. Et il est reparti, les mains vides. Mais c'est pas ça qui me rassure. Otis, il faut prendre ça moins à cœur et agir comme nous ferions en face d'un simple malade. Pour l'instant, le traitement n'a pas été très efficace. Il faut passer vite à une autre phase. Laquelle? Par exemple, on laisse Charles disparaître pendant quelques jours, nous l'abriterons à Meadowhawks. Et Matt Houston? Il n'est pas sorti d'affaire, que je sache. Une des deux balles lui a perforé l'épaule et l'autre balle a manqué le cœur d'à peine une fraction de millimètre. Donc, il est toujours fragile. Oh, il pourrait bien y passer. Et s'il survit, c'est un problème qu'on peut toujours résoudre par la suite. Je n'avais rien à faire de mieux, alors j'ai pensé faire un tour par ici, voilà. Je suis là depuis quand? Oh, ça fait 5 jours. J'ai cru que j'étais mort. Oui. Moi aussi. L'homme qui m'a tiré dessus, Ruth. Charles Dudley a porté l'uniforme comme expert en explosifs avant d'être finalement renvoyé. Pas très bien dans sa tête et crapule sans envergure. Il a disparu dans la nature. Et tu ne bronches pas en voyant un respectable hôpital employer tranquillement un type au passé aussi chargé que le sien? Ou encore en constatant que 60% du personnel ne travaille pas mieux que ce Dudley. Et le recrutement des perles rares a commencé à peine un mois avant la nuit où Lillian Barnwell est supposée avoir ingurgité ce fameux mélange presque mortel qui l'a plongé illico dans le coma. Une maladie idéale pour l'hôpital de son mari. Si M. Barnwell veut que sa femme disparaisse, pourquoi il ne la tue pas? Voilà une question pertinente, mais un seul petit paragraphe suffit pour comprendre l'énigme. La réponse se trouve en page 7 d'un contrat matrimonial mis au point par Barnwell et Honeycutt peu avant leur mariage, car Lillian vaut au bas mot une centaine de millions de dollars. Si elle meurt, le gros de cette somme revient à diverses œuvres de charité, et ce bon docteur Barnwell devrait se contenter de 50 000 dollars. Mais si elle tombe malade ou devient paralysée ou infirme définitivement, disons un coma par exemple? Notre cher docteur Barnwell est nommé tout de suite administrateur et profite de toute sa fortune. Et selon vous, Barnwell va prolonger indéfiniment le coma de sa femme? Pas le moindre doute. Ce qu'il faut maintenant, c'est le prouver. Et moi, je fais quoi? Rien pour l'instant. Mais tu pourrais rester dans le coin pour que je sache où te joindre. Dans le coin? Où ça? Devinez un peu. Mon fils souffre de blessures à peine enfermées. Il a passé presque 10 jours ici, à l'hôpital. C'est pourquoi nous allons le transporter dès cet après-midi vers la meilleure maison de repos de la ville. Meadowhawks. Mais vous êtes complètement cinglé? Oui, c'est ce qui m'a semblé à première vue. Mais Matt a su être très convaincant, comme toujours. Croyez que je suis désolé pour votre fils.
Merci. Heureusement, il est vivant. Je n'arrête pas de lui rabâcher d'être plus prudent dans son travail. Mais il n'écoute personne. Les enfants n'écoutent jamais. Et le mien trouve ça extrêmement drôle de jouer au détective privé. Et voilà, c'est terrible. Il ne m'entend même plus. Ils disent qu'il a juste besoin de repos pour pouvoir guérir. Mais en réalité, mon fils souffre trop sans médicaments. Et avec eux... Nous ferons le maximum pour votre fils, Monsieur Houston. Nous avons l'habitude de ce genre de cas. Je m'en remets à vous. Et qu'est-ce qu'il fallait faire selon vous? Dire à son père qu'il pouvait partir ailleurs. Bill Houston est un homme important et il veut voir son fils bénéficier de la meilleure clinique pour convalescents de tout le pays. Pour pouvoir nous espionner tranquillement. C'est vraiment de la paranoïa. Ah oui. Regardez donc ça. Voilà où la balle a traversé. Je veux bien dire que la blessure en question est grave, ou si vous voulez, très grave. Mais il devrait être de nouveau conscient depuis quelques jours. Et on peut parier qu'il ne souffre pas assez pour prendre les drogues qu'il est supposé avaler. Il se fout de notre gueule! Admettons que tu aies raison. Il faut voir que ce type s'est mis de lui-même à notre disposition et nous ferons tout pour qu'il profite de nos soins très spéciaux sans attendre. Des soins spéciaux peut-être similaires à ceux prodigués par toi à ta femme? Je commence à en avoir assez de cette aventure. Tu vas en redemander bientôt. Je crois qu'il est l'heure pour M. Houston de prendre sa dose. Puisqu'il faut le faire. Tu ne veux toujours pas changer de plan? Non, il faut qu'on essaye, papa. Nos enquêteurs affirment qu'il y a de grandes chances pour qu'il drogue Madame Honeycutt grâce au système d'injection intraveineuse. Avec un échantillon du produit utilisé, nous aurons la preuve. J'ai mis là-dessous tout le matériel nécessaire pour entrer discrètement chez elle. Un passe-partout, plus différents outils et un couteau. À mon avis, tu sous-estimes le danger. Tu sais, je crois m'en tirer en une heure. Tu n'as qu'à te planquer assez longtemps sous cette fenêtre jusqu'à ce que j'envoie le prélèvement. Et suppose qu'il te fasse prendre quelque chose? Non, de ce côté, pas de problème. J'enlève l'aiguille de l'intraveineuse moi-même, c'est assez facile. Il faut laisser votre fils se reposer maintenant. Oui, vous avez raison, je m'en vais. À demain matin, mon petit. Bonsoir, Monsieur Houston. J'apporte vos médicaments. Notre malade doit être bien attaché pour ne pas tomber. Pouvez-vous m'aider? Allez-y.
Appeler la police. J'ai horreur des incapables. Je vous avais dit de surveiller. Il était bien attaché et endormi. Allez chercher Manuel. Jamais l'oublier. Vous ne l'oublierez pas et vous pouvez en être fier. Stella a donné sa vie en essayant d'empêcher la mort de quelqu'un et c'est plutôt rare de nos jours. Merci. Bon, je vais y aller. Et vous savez qu'il y aura toujours une bière au frais pour vous ici. J'ai encore de la mémoire, vous allez me revoir. L'assurance va me donner une grosse somme qui me servira à remplacer ma caravane.
Oh, un vieux copain de la marine a réussi à... Il a affrété un bateau de pêche du côté de Cabo San Luca. Il dit qu'il a besoin d'un associé. Après tout ce qui est arrivé ici, je préfère vraiment partir. Je sens qu'il se pourrait que je sois obligé de venir boire une bière là-bas. Je vous y attendrai de pied ferme. Je pense à quelque chose. Le premier jour, vous vous rappelez que j'ai dit que je savais me renseigner. Je vais le prouver. Mm-hmm. Vous donnez des leçons de voile à une jeune fille. Ah, Véronica. Oui, voilà quelqu'un qui apprend plutôt vite. À votre place, je la laisserai tout faire. Son visage m'était familier, alors je me suis renseigné. Et j'ai appris que votre élève a déjà été 2 ou 3 fois le skipper d'une équipe féminine en compétition entre ici et Hawaï. Oui. Et une fois, elle a gagné. Quoi? Vous saviez tout ça depuis le début? Salut! Eh bien, bonne leçon. Mais on va essayer. Alors, Moussaillon. Voyons voir. Où est-ce que nous en étions restés à la dernière leçon? Pas mal. Tu as fait des progrès.